Bienvenue pour la suite de Space Marine 2, on continue l'aventure. Lieutenant, l'escouade est prête. Lieutenant, nous sommes sous vos ordres. Le relais astropathique sur Abarax est pris d'assaut. S'il tombe, nos espoirs de renfort tomberont avec. Nous allons exécuter une opération en trois points. Pour briser le commandement Xenos, rétablir le Vox et protéger le relais. Nous ne vous décevrons pas. Tant mieux, personne ne peut décevoir aujourd'hui. Préparez-vous au déploiement. Je vous donnerai les détails de la mission pendant la descente. Let's go! Bon, on va affronter le boss de la ruche, apparemment. Le chant du néant, Avarax. Donc il y a trois factions, j'ai l'impression. La ruche, les hérétiques, et t'as Kéron qui parlait de des orques. Je sais pas si on va voir les orques. Lieutenant, nous aurions dû combattre le tyran des ruches. Thalassa va s'en sortir. Ils n'ont que trois hommes. On devrait être avec eux au lieu de jouer les coursiers. Le message doit être transmis. Et quel message, exactement? Que tu es un noob. Parlez sans détour, mon frère. J'ai lu les archives, mon frère. Vous étiez capitaine de la deuxième compagnie, et vous avez disparu il y a plus d'un siècle. Je servais dans la Death Watch. Il y aurait des registres. Pas pour un bouclier noir. Un bouclier noir? Vous renieriez votre allégeance au chapitre? Je mourrais pour ces couleurs. Alors pourquoi? On m'a accusé. Telle a été ma pénitence. De quoi vous a-t-on accusé? De corruption. Atterrissage imminent. En avant. La confiance règne dans mon équipe. Delta, test Vox. Ici Veridian, toujours à bord de notre aéronef. Thalassa est sur place, et il y aura bientôt un tyran de moins. Bien reçu. En route vers le relais. Maintenez les communications Vox. Damoclès terminé. Ok, donc on va pas combattre le boss de la ruche, j'ai l'impression. Le relais astropathique se trouve à 6 km d'ici. Attendez-vous à une forte présence de tyrannides. Qu'en est-il du grand ennemi? Quelques signaux sporadiques, mais ils sont là. Ingérez cette ration par vous. Homme d'honneur! Craignez-vous les villes Xenos qui tambourinent à notre porte? Ravitaillement. Et comment? Car nous sommes le 8e régiment cadien, le plus terrifiant, tenace et impitoyable. Je prends de l'équipement. Non, chef! En abandonnant mon frère, vous êtes déshonoré. Je vous suis châtiment. Et nous apportons la mort. Entrez dans le tournoi, Vox Damoclès. Compris. Damoclès terminé.
ça donne vraiment envie de connaître le lore de Warhammer. Je sais pas, il y a combien de jeux. Si nous tombons sur les forces du chaos. Ne vous inquiétez pas pour moi, lieutenant. Si vous me refaites un coup pareil, je vous envoie devant le maître du guet. Je comprends. Mais pourquoi ne pas nous avoir parlé plus tôt de votre pénitence ? Cela ne vous regardait pas. Et maintenant ? À force de soupçons et de manipulations, vous avez réussi à vous en mêler. C'est le chapelain. Oh. Multifuseur. Mettons-nous au travail. Ça a l'air d'être balèze. Elles sont coincées, seigneur. Endommagées depuis la dernière attaque. Écartez-vous. Au moins, on perd pas notre arme. Verrouillez les portes derrière nous. Très bien, monseigneur. Fermez les portes ! Qu'est-ce Attaquez ! Ah, c'est mon arme préférée. Vermine exterminée. Ah ouais, ils sont partout. Ah, c'est lui là-bas. Et un rôdeur de monstre. Un petit rôdeur de monstre. Tiens, ça me fait plaisir. Cible détruite. J'arrive, mec. Ou pas. Le pont s'est écroulé à cause des spores. Impossible de passer. Il existe peut-être un autre chemin. J'écoute. Je l'envoie sur votre ospex. Nous allons devoir déblayer tout ça. Pas de problème. Maudite sport. Les Cadiens n'en feront plus manger. Oui, en effet. Au revoir la cloche. J'avoue, un petit tank, ça aurait fait plaisir. Ah.
Ah, il y a les bébés. Les bébés anges. Trouver notre sortie. Tout à fait. Le relais. Nos frères sont en mauvaise posture. Équipe Delta, nous avons enterré le Xeno comme il se devait. Mais il n'est pas mort. Éclairez-nous, Seigneur Titus. La nuée deviendrait intenable sans leur lien avec l'esprit russe. Mais leur attention est toujours portée sur le relais. Les rapports confirment l'évaluation du lieutenant. Cohésion ennemie pleinement effective. Cette créature n'est pas encore morte. Nous tiendrons notre parole. Cette colossale abomination ne se relèvera pas. Ah, j'ai la tronçonneuse. Ok. Ça fera l'affaire. Un peu défoncé. Je dois recharger. Reste kill. T'avais pas besoin de jambes de toute façon. Je dois recharger. Mission sécurisée. Pour l'instant, tous les mondes qu'on a visités, ils sont super bien faits, hein, truc de ouf. Ah, ça, je prends. Ok. La porte est hors service. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui. Mais cela prendrait beaucoup de temps. Dans ce cas, nous devons rétablir le courant. Rétablir le courant. Ok, il y a deux chemins. Neutraliser ces mines. Ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Neutraliser ces mines. Une bénédiction vibrante de promesses. Relique du gardien. Grenade crack. Petite bombe à fusion. Mine en approche. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Courant rétabli. Ouvrez la porte. Regardez par ici. Fuseur. Ah. Enregistrement. Déclaration de preuve. Les caisses trouvées dans le secteur 55 de la ruche supérieure contiennent 12 volumes d'ouvrages hérétiques douteux. Également récupérés,
14 fusils laser de type Cantrell, 8 pistolets laser de conception diverse. Les numéros de série sont limés. Des symboles hérétiques figurent à la surface des armes. Traître Astartès ! Je joins des images en contrôlant les preuves. Preuve à détruire conformément au protocole d'invasion. Des traces du culte indiquent que ces racines vont très loin dans la ruche. Rien que d'imaginer qu'il a atteint les plus hauts niveaux me retourne l'estomac. Ces officiers, bureaucrates et politiques sont si enlisés dans leur complot qu'ils ont réchauffé et nourri les racines de l'hérésie au sol de leur propre mur. Sauf que le feu des représailles les consume déjà. Le châtiment de l'empereur est inévitable. Fin de l'enregistrement. Les hérétiques cherchent à nous arrêter. Il semblerait, effectivement. C'est-à-dire ? Les légions renégates utilisent l'intrigue et la tromperie depuis 10 000 ans. Ce sont des maîtres en la matière. Ils sont sûrement là pour arrêter Aurora. Pas forcément. Cette histoire cache quelque chose. J'en suis certain. Peu importe leurs objectifs, ils mourront de ma main. Calme-toi, Kieron. Tuez-les tous. La bombe à fusion, elle fait trop plaisir, c'est un truc de ouf. Recharge. Bah, c'est plus grand moule là. Ah ouais, c'est pas entre eux. Hérésie et corruption. Les tyrannides cherchent également à consommer ça. S'ils s'entretuent, alors tant mieux. Il la pète un peu trop, lui. Terminator abattu. Terminator. Carrément. Let's go. J'espère que c'est pas la fin. Après les campagnes, elles sont plutôt courtes. Chez Saber Interactive, je crois que c'est les développeurs. Titus au Resiliente. Demande tourelle de largage à Morphol Gamma à ma position sur le champ. Vous voulez sauter ? Demande confirmée. Tenez-vous prêt. C'est notre point d'entrée. Ça fait une sacrée distance. Damoclès à Thalassa. Répondez. Si Thalassa perd contre le tyran des ruches... Alors notre petite excursion n'aura servi à rien. Thank you.
Ah bah voilà. On aurait dû rester avec le bataillon principal. Pourquoi rester dans l'obscurité quand la gloire nous attend, hein, sergent? Nos frères meurent pendant que nous nous faufilons comme des voleurs. Il faut délivrer ce message ou il y aura un massacre. Notre lieutenant l'a dit lui-même. Il y a de la tromperie à l'œuvre. Si vous avez quelque chose à dire, sergent. Ça y est, c'est à son tour de partir en couille. Pas mal, hein, ces petits jetpacks. Des ultramarines ! Gabriel, vous n'êtes pas dans votre état normal. Je pourrais vous en dire tout autant. Vous êtes un ultramarine. Alors comportez-vous comme tel. Oui, monseigneur. Laisse-moi. Réacteur d'Orcel activé. Ok, je me rappelle un peu des coups. C'est quoi le problème? Beau combat, soldat. Formez une ligne défensive sur la brèche. Très bien, monseigneur. Renforcez la brèche! Bolter automatique, carabine. Je vais garder mon arme. Nous n'y serons pas à temps.
Un tyran de moins. Allez, ça c'est fait. Meridian, vous me recevez ? Ah, il est vraiment stylé, le jeu, c'est un truc de ouf. Le signal est toujours brouillé, comme le craignait le capitaine. Voilà ça, au rapport. Le vieux Xeno, ce... Voilà ça, nous avons été coupés, répétez. Voilà ça ! Sur nos trois objectifs, aucun n'a été rempli. On ne peut plus reculer. Bon, faut aller où ? Bâtard. Enfoiré. Bon, priorité les... les snipers. Rechargement en cours. Ils n'apprennent jamais. Ok, il y en a un là-haut. Ah, dommage, il n'y a pas de bouclier en fait. Recharger. Redéploiement. Allez, prenez l'avantage. Il est toujours vivant lui. Rechargement. C'est clair. J'irai pas non à la mission. Et on se rassemble les noobs. Y a pas une grosse arme là ? Non. Non, ils veulent pas. Les réacteurs dorsaux ont du mal avec toute cette poussière. J'active les réacteurs. Réacteur dorsal, encrassé de poussière. Nous devons progresser à pied. Ah, ça y est, il est mort. Ah, les enfoirés. L'ennemi a percé nos lignes. Multifuseur. Lieutenant, quels sont vos ordres ? Au combat. Au combat. Ultra-bas. Allez, Galassa. Je t'ai eu. Grenade choc envoyée.
Ah, vous aimez bien ça. Ok. Il est balèze lui. Ok, faut juste défendre. Ne les laissez pas monter. Aïe. Je suis la mort, le serviteur de l'empereur. Ah, faut que je bute l'autre là-bas. Ok, lui mort direct. Ok, lui faut le buter lui. Qu'on aime. Rechargement en cours. Je crois que c'est bon. Ah, c'est pas bon. Ah, il y a un carniflex. À court de munitions. Et quoi? Un carniflex, et voilà un véritable adversaire. Se calmer quand même. Nouveau chargeur. Ravitaillement en cours. Juste cassé. Ok, calme-toi. Je prends de l'équipement. L'empereur nous protège. Bombe à fusion déployée. Il est vénère lui. Toi, tu vas prendre cher. Carnifex éliminé. Ah, c'était chaud. Munition sécurisée. Stabilisation en cours. Ah, y'en a un autre. Grenade crack lancée.
d'après le chapitre. Oh, il y en a trois. Ok, il me faut de l'arme. Que se passe-t-il? C'est un assassin. Ils ont tué un tyran des mouches. Regardez-les. Ils tombent comme des mouches. Le tyran des ruches contrôlait ses sous-fifres par liaison synaptique. L'agitation dans les rangs ennemis ne peut vouloir dire qu'une chose. Le tyran des ruches est mort. Ils ont réussi. Ici Méridiane. Damoclès, si vous m'entendez. Nous avons eu ces enflures. Excellent travail, mon frère. Un contact avec Thalassa? Thalassa pour Damoclès. Le Xeno a cessé de contaminer notre monde. Lieutenant Titus au relais. Zone sécurisée. Ouvrez les portes. Ok. Allons-y. Des anges. Devoir accompli. Ça, c'était du combat. Bon combat, mes frères. Je veillerai à ce que le capitaine apprenne vos exploits. Je n'ai pas besoin de médailles. Vous en êtes sûr? Suffit. Lieutenant, une fois cette mission terminée, je souhaite être transféré dans une autre escouade. Je transmettrai votre demande au capitaine. Ah, il est relou, Gadriel. Il en sera pas un exterminatus pendant qu'on est encore là, quand même. Les flottes ruches projettent du nombre psychique qui ravage l'esprit des psychers, privant les mondes sur leur chemin de la possibilité d'appeler à l'aide. Espérons que ce n'est pas trop tard. Je donne ma voix à l'empereur. Puisse-t-il nous protéger? C'est quoi ça? Ok. C'est un d'être cool comme métier. Aujourd'hui, je me bats avec les Ultramarines. Ton métier, crier et souffrir. Vous n'avez rien à faire là. J'ai un message pour Marneus Kaldar. Je ne peux pas vous aider. C'est urgent. En plus de l'ombre projetée dans le warp par les tyrannides, les forces démoniaques peuvent désormais s'en prendre à quiconque ouvre son esprit au warp. Vous fuyez votre devoir. Pour votre gouverne. Donnez-moi votre message. J'ai compris. Nous pouvons commencer. Madame, je me dois de protester. C'est trop dangereux. Silence. Il n'y a aucune garantie.
Ok. On peut pas savoir c'est quoi le message. Ah, c'est une hérétique. Comme vous dansez gracieusement. Ok. Un skater hérétique. Imura. Quel plaisir malsain que d'attendre au-delà de l'immatériel. Je vous en remercie, cher cousin. Vitus, je vous ai observé si longtemps, à travers la voile déchirée, aspirant à ce moment. Je vous assure que ce sera bref. Échappe à toute compréhension. Vous y avez goûté, Titus. Tenu son essence entre vos mains. Ouais, carrément. Ils nous appellent tous et nous tendent une main divine. L'enfant a menti. Il nous a tous menti. Dans sa cupidité, il a renié notre propre droit de descendance. Nous avons goûté le vide quelques instants et vous y verrez l'infini Y a pas des munitions. Et il fait mal là.
Qu'est-ce qu'il y a l'astico là? Alors Gadriel, c'est mec. Il s'est échappé? Aucune idée. Lieutenant Titus, répondez. Ici Titus. Des forces du chaos ont été détectées dans le système. Ils veulent s'emparer d'Aurora. Nous partons immédiatement pour Demerium. Comment vous l'avez su? J'étais sur Calf quand les Wardbearers sont attaqués. Je sais reconnaître la marque du chaos. On retourne à la barge de bataille. Je comprends vos actes, mais vos doutes s'arrêtent ici. C'est compris? Oui, chef. Un petit jeune. Vraiment pas mal, hein, cette mission, encore une fois. J'avoue, les opérations en multi, ça doit être cool. On va faire notre petit rapport comme d'hab. Heureusement que je suis pas une balance. Sinon, Kiron et Gadriel seraient déjà dans une autre équipe. Ou pire encore.
Mes frères, voici Aurora. Ces dernières heures, des forces renégates ont débarqué par centaines et réquisitionné les lieux. Réquisitionné ? Où est l'Euse ? À l'intérieur. Ils ont l'installation, l'Euse... Et la source d'énergie. Sainte Terra. Vous aviez peut-être raison, Titus. Quel est notre plan ? On a déployé toutes nos forces disponibles sur Demerium, mais on est loin d'être au complet. On prépare un assaut. Mais il a peu de chances d'aboutir. Sauf si on s'occupe de ça. Ils s'en servent pour appeler des renforts. Chaque fois qu'on en tue un, deux autres le remplacent. Elle est très surveillée. Je vais avoir besoin d'une escouade de 5 hommes. Je vous en accorde 3. Autre chose. L'ennemi tire apparemment sa force de cette structure. Qu'est-ce que c'est ? Nous l'ignorons. Toutes nos tentatives pour l'abattre ont échoué. Votre escouade est réputée pour ses approches non conventionnelles. Des idées ? J'ai lu que Demerium est un monde sépulcral. Il y a 4000 ans, les Ultramarines et les Hérétiques se sont battus. Le sort de Fatreus, une barge de bataille qu'ils ont démolie, a été inhumé ici. Et alors ? Selon les registres, sa coque était irrécupérable, mais ses moteurs encore ronflants quand on l'a enseveli. À défaut de voler, elle pourrait faire bélier. C'est pour le moins ambitieux. Nous devons essayer. Alors allez-y. Les systèmes de navigation doivent être morts. L'échec n'est pas permis. Il a raison. Il va falloir se rapprocher de la cible et placer une balise. On lance l'attaque dans 90 minutes. Que l'Empereur vous guide, mes frères. Vous aussi, chef. Pour l'Empereur. Bon, on va visiter une nouvelle planète. Lieutenant Titus, rejoignez-moi sur le pont d'équipage immédiatement. À vos ordres, chaplain. Assurez-vous que les frères Kairon et Gadriel soient présents. Ah. Utiliser une ancienne barge de bataille comme bélier, voilà une approche peu orthodoxe. Vous désapprouvez ? Au contraire, c'est une brillante idée. J'y souscris à contre-cœur. Pourquoi à contre-cœur ? Parce que ça va vous monter à la tête. Ah, les deux, ils sont marrants. Qu'est-ce qu'il veut, le chaplain, là ? Titus, je m'inquiète d'un rapport que j'ai reçu de l'Astra Telepatica. Une accusation d'hérésie. Sa voix a été imitée par un... Laissez le lieutenant répondre. Le Psyker était possédé. Votre sergent croyait l'inverse. Je me suis trompé. Vous avez pourtant tenté de neutraliser votre lieutenant. Et je remercie l'Empereur d'avoir échoué. Sauf que maintenant... Le seul individu capable d'atteindre le Seigneur Khalgar est mort. Et c'est de votre fait. Tous, je vous tiendrai à l'œil. Si jamais je soupçonne la moindre once de corruption, je n'hésiterai pas, comme vous l'avez fait. Hors de ma vue. Ok, mec. Mais je sais pas c'est qui, Khalgar. Mon frère, les propos formulés par le chaplain. C'est l'heure d'y aller. Beaucoup de Space Mine ici, dis donc. L'ennemi a amassé la plus grosse partie de ses forces dans le bassin de Numérélion. Thalassa a la balise du Warp.
Feridian espère un miracle. Le reste d'entre nous va se charger de dégager les reliquaires autour du bassin et d'établir une tête de pont. Nous faisons face à un nombre accablant d'ennemis sur Demerium. Mais les immondes hérétiques là-dessous ont attisé la colère de la deuxième compagnie. Nous allons infliger aux traîtres une agonie telle qu'ils n'en ont pas connue depuis Prospero en flammes. Ils souffriront. Ils craqueront. Et ils tomberont. Fils de Guilliman, pour la gloire d'Ultramar. Pour la gloire d'Ultramar. Ok. En avant. Merci ça. De nouvelles armes sont disponibles. Super, à chaque fois il me dit ça, mais... Lieutenant Titus, puisse le Colossi vous faire don de sa bénédiction. Galéo, en théorie, l'armure Tacticus pourrait-elle supporter un largage suborbital? La gravis est trop encombrante. Négatif. Trop dangereux. De denses champs de débris jalonnent l'itinéraire de vol. Mais en évitant les débris, pourrions-nous survivre à la descente? Calcul. Probabilité de survie égale à 62,4136. Inconcevable. Merci, Galéo. Inconcevable. Qu'est-ce qui se passe? Un largage orbital sans armure Gravis? C'est une stratégie qui se tient. Avec un taux d'échec de 38%. Nous nous exposons à des chances bien moins favorables aujourd'hui. Ok, j'ai pas de... Équipé. Ah, c'est les... ok. Classifié. Demerium. Barrez-vous. Ce système est jonché de simples chronos et démoniques. Mieux vaut les bouler que de patauger dedans. L'Adeptus Mechanicus préférerait éviter que ça ne devienne le protocole standard. On pourrait infliger de lourdes pertes aux tyrannides. No thousand sons. Ok, bon. La suite au prochain épisode. Avec mon escouade. J'espère que ce sera pas le dernier. On verra. Donc, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.